Page sport de ce journal et nous recevons comme tous les dimanches Jérôme Tchendrbiogo du service sport de la télévision du Burkina. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors pour commencer, 28e tour du FASO, 3e étape aujourd'hui et tir groupé des Érythréens. Alors il faut dire que l'étape était longue de 142 km, ça s'est couru entre Kombisiri et Kaya en passant par bien sûr Ouagadougou. Et l'innovation de cette édition du tour du FASO, c'est qu'à chaque étape, il y a un ministre pour parrainer. Après René Bagoro et le président de l'Assemblée nationale, Sy Chérif, à la première étape, c'était Boubacar Ba des mines et de l'énergie, à la deuxième étape à Yako. Et ce matin à Kombisiri, c'était donc le ministre des Ressources animales, Jean-Paul Rwamba, qui a donné le top départ, on verra avec la réalisation. Donc c'est déjà l'échappée de Aziz et Yacouba sur la distance. Après, vous savez, Aziz avait perdu son maillot rose hier et il tenait à le reprendre aujourd'hui. Alors, il a décidé de faire des points sur son affaire et il est arrivé à Zignaré et à Korsimoro en tête avec 6 points. Il reprend son maillot à l'arrivée. Mais à l'arrivée, c'est deux Érythréens qui étaient en difficulté hier. Aujourd'hui, les Érythréens sont revenus en puissance donc sur ce parcours. Ils ont remporté le maillot rose Aziz là. Mais le maillot jaune reste la propriété de Amine, le Marocain. Et quelque chose d'important, le Burkinabé, le meilleur Burkinabé sur cette étape, à l'arrivée, c'était Seydou Bamogo. Pourquoi? Parce que c'était chez lui à Kaya, devant sa maman. Le garçon a tenu, en tout cas, à faire une bonne prestation devant les siens et il a réussi à le faire. Il était quatrième au classement de l'étape. Il faut dire que la vitesse moyenne aujourd'hui était très élevée. Une vitesse très élevée après 40 km, on est passé à 41 et aujourd'hui on est à 42 653. Ça veut dire que ça pédale vraiment fort sur cette étape. Et au classement général, le meilleur Burkinabé, il vient en troisième position. Il s'agit de l'étudiant cycliste Mathias Sorgo. Alors Jérôme, demain c'est la quatrième étape. La quatrième étape qui sera courte après 171 km, 148 km, 142 km, l'étape Ouagadougou-Koudougou sera longue de 97 500. Ça veut dire tout simplement, Jean-Emmanuel Ouédraogo, que ce sera infernal. Ça va de Ouagadougou à Koudougou. Alors pour finir, des nouvelles de la Coupe de la Ligue. Alors la Coupe de la Ligue qu'on appelle Coupe Antoine Ouédraogo, en hommage à ce grand footballeur disparu il y a 2 ans. Alors, dans la poule A, cet après-midi, les Faux et le Santos se sont neutralisés 2 buts partout. Dans la poule B, hier, la Sonabel est venue à bout de Kozaf 1-0. Vendredi, un match avancé, l'USFA avait défait l'USO 2-1. Et demain, au stade municipal, comme toutes les rencontres d'ailleurs, à 15h30, le RCK reçoit l'ASFA Yenenga pour le compte de la poule B. Alors pour finir, il faut peut-être signaler que le journal du Tour, c'est tout de suite juste après donc ce journal. Merci. Merci Jérôme pour toutes ces informations.